Bon allez, c'est parti. Bon ben c'est bien sûr une partie déjà commencée. Je ne suis qu'au début donc voilà, nous en. Je ne suis pas très avancé, ne vous inquiétez pas. Ryder, le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence? Je sais pas si je suis prête. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'Habitat 7 non plus, et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard, toujours garder un micropropulseur sous la main. Bon, allez, c'est parti. On décharge ce qu'on a ? Vérifiez d'abord ce qu'ils ont réussi. Je viens de mettre à jour les registres. Elle veut d'abord voir les réaffectations. Camarade, nous y voilà. Du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Et avec le stream, voilà. Ça lag un petit peu quand je tourne la caméra. Mais bon, c'est pas trop dérangeant. Je vois pas de champagne. Oula, c'est quoi ce bordel? Où est-ce qu'ils sont tous? C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. Ouais. Ils veulent nous faire une surprise? C'est réussi. Oh, Avino. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil? Désolée, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes. Bah, je vais prendre l'immigration. Quelle est la procédure d'immigration? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical
afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein? Où ça? Y a personne ici. C'est ce que j'allais dire. Y a vraiment personne dans le coin. Bon, allez, on va prendre la galaxie d'Andromède. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine. Ce qui fait de vous une valeureuse exploratrice. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. D'accord. Et Nexus. Qu'est-ce que c'est le Nexus? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créez un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Alors, l'installation. Où vivent les colons? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'Habitat 7? C'est là qu'on a atterri. Elle retarde complètement. L'année en cours. On est en quelle année? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde? C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à... erreur inconnue. On est bien avancé. C'est ça. Les plantes sont toujours en vie. Il y a un écho ici. C'est comme s'il s'était arrêté en cours de construction. Il y a un écho trop près. Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'Archipérion. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu? Il a une tête une arche, bizarre, vous dites. C'est bien le Nexus, non? Je crois qu'on pourrait difficilement se tromper. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Bien sûr, pardon. C'est juste que... on vous pensait tous morts. Quoi? Ou prisonniers. Ou perdus dans l'abîme. Ou... mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Oh, un turion. Je suis Taran Kandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Sarah Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa, qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenus de l'arrivée d'une arche, mais il arrive qu'Eleus brouille les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Mais vous ne nous attendiez pas? Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqué? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivé il y a 14 mois, et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau.
On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière vous. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur ? Je vérifie vite fait un petit truc dans les options, comme il y a une mise à jour. Alors, paramètres, je vais regarder s'il a pas bougé les trucs graphiques. Qualité, non, il n'y a rien bougé, c'est bon. À mon avis, le stream il fait rare. On a fait profil bas jusqu'à maintenant. On n'est pas en état de résister à une attaque. On a eu un premier contact avec des aliens sur l'habitat 7, mais... On y est. Allez-y, je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir en rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche ? Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'Hyperion au circuit électrique. L'équipage de l'Hyperion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Après ce qu'il vous est arrivé, nous voulons vous aider. On manque de tout. Nourriture, eau, toute denrée nous serait d'une aide précieuse. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Ça, c'est moche. Avant d'avoir une planète où vivre, un monde en or. Plus que jamais, nous avons besoin d'une pionnière. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Mon père savait ce que c'était d'être pionnier. Il ne m'aurait pas choisi s'il ne m'estimait pas à la hauteur. Votre père ne sera pas là pour réparer vos erreurs. Elle n'a pas tort. Eh bien, quelle hospitalité. Lol, un Krogon. Nakmorkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel. C'est quoi cette voix qu'il a par rapport aux autres, là ? Sérieux, quoi. Au moins, notre pionnière semble prête à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serais ravi de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur...